Je suis président depuis 1978, c'est-à-dire 35 ans. Quand je suis arrivé, j'avais des enfants qui sont aujourd'hui des parents et j'ai les enfants de ces parents qui sont même judoka. C'est un club familial. Prof de judo donc depuis 2000, donc ça fait 13 ans. Voilà, et puis j'ai vu grandir des générations qui se sont succédées avec des talents comme Fabien notamment. On forme les jeunes, les gosses, et quand ils sont repérés par des clubs de la région parisienne, automatiquement, ils remontent dans cette région et ils intègrent le Pôle France, le Pôle Espoir, le Pôle France, pour venir après aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, etc., etc. Donc nous, c'est la formation de ces enfants-là et la détection de, chez les autres grands clubs. Est-ce que le judo, un sport avant tout, un sport où on peut réellement s'exprimer avec, je dirais, d'autres mots que les mots traditionnels, c'est une discipline de vie, c'est une exigence avec soi-même. On va chercher au plus profond de sa personnalité pour réussir à s'exprimer. Et depuis 2 ans, c'est ces nouveaux locaux qui fait qu'il y a davantage de gens qui sont là, surtout dans les enfants, dans les petits. Le service des sports m'a appelé un vendredi pour me dire « Est-ce que vous avez le nom de quelqu'un qui pourrait porter le nom du dojo ?» Depuis que le club existe, c'était en 1963 qu'il a été créé, il y a eu 4 présidents, 3 autres et moi depuis donc 1978. Et je disais, je ne peux pas vous donner un nom. Et on m'a rappelé ensuite en me disant, eh bien on va l'appeler Dojo Guy Claverie. Et on m'a dit, mais c'est pas un hommage, c'est un honneur. Ah bon, j'ai dit, alors d'accord. Et depuis, ce dojo porte mon nom. Et j'en suis très fier.